Coucou, alors aujourd'hui je vous retrouve avec la nouvelle Dotybox de juillet. Alors je l'ai reçue il y a quelques jours, 2 ou 3 jours. Elle se présente comme ceci, comme toujours avec la même boîte. Alors j'ai remballé tout à l'arrache, donc j'ai déjà vu ce qu'il y avait dedans, hein. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Alors, tout d'abord, ce que je retrouve, donc il y a le menu comme d'habitude. Le premier produit, c'est de la marque Fructis. C'est un sérum pour réparer les pointes fourchues, donc pour cheveux agressés, très abîmés, à l'extrait d'huile d'amla, que je ne connais pas du tout. Et apparemment, les résultats font qu'il y a 70% de moins de pointes fourchues. Donc à tester, je verrai bien. Il me reste encore mon huile de chyvre rocher que j'ai bientôt fini. Il me reste peut-être ça. Donc bientôt je finis et je testerai ceci. Et bientôt. Bientôt. Et bien entendu, je vous donnerai des nouvelles dès que j'aurai fini ce produit, où il sera peut-être dans mes produits favoris. On verra bien quel style de vidéo je ferai à ce moment-là. Donc c'est un format de 50 ml et ça vaut 7,99 €. Donc il se présente comme ceci, avec un petit flacon pompe, donc qui est... avec un petit flacon pompe, donc qui est très pratique. Voilà, Fructis, franchement, c'est pas. Donc, c'est de la marque Garnier, Fructis. Fructis, c'est pas une marque que j'aime beaucoup parce que ça me fait penser au shampoing. J'ai testé une fois les Fructis en shampoing et franchement, ça ne me va pas du tout. J'avais des démangeaisons, des pellicules. Enfin, franchement, c'était vraiment une catastrophe. Donc, j'ai gardé vraiment un mauvais souvenir. Mais voilà, je testerai ça quand même. Peut-être que ça n'a rien à voir avec leur shampoing. Peut-être que c'est un bon produit. Donc, voilà, tester. Ensuite, deuxième produit de la marque Cathy et Paris, que je ne connais pas. C'est un lait pour le corps. Donc ça fait 200 ml, donc c'est un grand format et ça a un prix de 9,99 €. Comme vous le voyez, c'est bio et c'est à beurre de karité et géranium. Je vais voir s'il est ouvert. Franchement, ça a une odeur spéciale. J'aime pas les odeurs de fleurs. J'aime pas du tout. Que ce soit la rose et. Enfin, la rose, ça passe encore. Mais voilà, j'aime mieux les odeurs fruitées et tout ça. Et l'odeur de géranium, je n'aime vraiment pas. Ça sent pas trop bon. Mais j'utiliserai quand même. Hein. C'est pas un truc à faire gerber, mais j'utiliserai quand même. Et voilà, comme je l'ai dit, ça a une valeur de 9,99 €. De toute façon, avec du beurre de karité dedans, je suppose que ça doit être bon quand même. Ensuite, un de mes coups de cœur dedans, c'est le gommage anti-peau dur 2 en 1 de Hansaplast. Donc, Hansaplast qui est connu pour leurs pansements. C'est un gommage plus soin pour des pieds douces et lisses. Je l'ai utilisé il y a 2 jours en gommage pour les pieds. Et franchement, je peux vous dire que c'était vraiment très très bien. Bien que mes pieds maintenant sont en cours. Ouais. Donc, j'ai fait mon gommage sur mes pieds, bien entendu. J'ai fait ça à la douche. Donc, j'ai bien gommé mes pieds. J'ai bien émulsionné avec un peu d'eau. Ensuite, j'ai rincé directement. Et je dois dire que mes pieds étaient super doux.
Enfin, voilà, ça n'enlève pas totalement la peau dure, hein. C'est pas miraculeux, hein. Mais j'avais les pieds doux et franchement, ils étaient super agréables. Et j'avais même pas besoin de repasser une petite crème après parce que ils étaient doux et hydratés. Donc franchement, c'est un produit super. Donc moi, j'aime beaucoup. C'est un full size de 75 millilitres et ça vaut 5,69 €. Donc voilà, franchement, je rachèterai certainement un de mes produits coup de cœur. Et le quatrième produit qui est de la marque Payot. Payot qu'on voit souvent dans les box. Que je n'ai jamais testé parce que quand il est apparu dans les box, je n'étais pas encore abonnée. Mais je sais qu'ils en mettent quand même assez souvent de cette marque-là. Donc moi, c'est un soin éclat du jour aux extraits de super fruits. Donc ça doit sentir trop trop bon. C'est un truc qui doit sentir trop bon. Donc appliquer le matin sur le visage, le cou, démaquiller et tonifier. Donc apparemment c'est une... Ouais, bah oui, son éclat du jour. C'est une crème de jour bien entendu. Donc voilà, et ça c'est un petit échantillon, hein. Donc parce que Payot c'est quand même assez coûteux. Le full size de 50 ml vaut 32,50 € et là on a 15 ml. Donc voilà. Franchement, j'ai hâte de tester. Ça a une senteur de melon, musc et de mangue. Donc ça doit être une tuerie. Donc voilà, à tester. Donc voilà, ma box est terminée. Oui, ce mois-ci on n'avait que 4 produits, mais voilà, franchement, c'est pas trop trop grave. Je trouve juste qu'il aurait fallu un petit cosmétique en fait. Je sais pas, un petit rouge à lèvres, un petit blush, hein. Ah ouais, un blush, ça serait cool, on n'en a jamais dans les box. Ouais, franchement, ça, je trouvais qu'il manquait un petit cosmétique, hein, de n'importe quelle marque. Voilà, je trouvais qu'il manquait juste ça. Sinon, franchement, la box c'est vraiment très bien. J'utiliserai tous les produits. J'ai hâte de tester la crème de jour de chez Payot et de tester encore le gommage Homme de la Place. Donc franchement, j'ai trouvé vraiment la sélection de ce mois-ci vraiment tip top. La Doty toujours au top. Ouais, j'adore la Doty. Donc, ah oui, petite annonce aussi. La Doty Box viendra aussi pour les Françaises. Donc oui, je sais que j'ai des abonnées françaises, hein, et donc voilà, vous allez pouvoir vous aussi commander la Doty Box. Et franchement, allez-y parce que foncez, elle est géniale. C'est une de mes box préférées. On a toujours des full size. Les sélections du mois sont vraiment toujours génial aussi. Bon, il y a quelquefois une petite déception, mais franchement, ça n'arrive vraiment pas souvent souvent. Donc voilà, franchement, les Françaises, n'hésitez pas à commander là, elle est géniale. Elle est au prix de 16,95 € en Belgique. Je ne sais pas s'ils vont l'augmenter pour les Françaises, je ne sais pas du tout. J'ai vu la vidéo de Julie Love Mac, que je vous mettrai dans la barre d'infos, où elle lance un concours justement pour les Françaises pour gagner une Doty Box. Donc je trouve cela vraiment génial. Ça vous permettra d'en gagner une, donc c'est super. Et franchement, elle vous parle vraiment de la mise en place et tout ça. Donc franchement, génial. Que dire de plus? Oui, petit message justement, parce que la Doty Box de Belgique lance l'envoi pour les Françaises. Ça serait cool aussi. Bon, voilà, petit message pour la Glossy Box et la Berge Box. Voilà. Donc vous aussi, enfin vous êtes une box française qui marche beaucoup. Voilà, ce serait bien aussi de penser aux petites Belges parce que nous aussi on aimerait bien du Sephora, du Marionneau dans nos box. Donc voilà, petit message pour vous. Voilà, on aimerait bien avoir un peu plus de box française dans la Belgique. Donc voilà, petit message fait. J'espère qu'il sera vu par la Glossy Box et la Birch Box. Malgré que ça m'étonnerait. Mais voilà, j'essaie quand même. Qui ne tente rien n'a rien. Donc voilà, à vous les filles, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!